Savez-vous ce que l'on peut faire en une minute? En une minute, l'être humain cligne des yeux une vingtaine de fois. Fascinant. 120 000 de nos cellules meurent chaque minute. En une minute, on a également 12 à 18 cycles de respiration. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, gagne 57 800 euros à chaque fois que vous terminez un de ces cycles de respiration. Un smicard, lui, 12 centimes net. Et une nouvelle qui va ô combien changer votre soirée, vous serez ravis d'apprendre qu'en une minute, vous avez même la possibilité de sabrer 48 bouteilles de champagne, ce qui est d'ailleurs dans le Guinness Book. Alors, aujourd'hui, nous sommes des millions de personnes pendues à ces petites choses, ainsi qu'à nos téléphones portables, à la recherche de la moindre minute, avec l'illusion que ce que l'on fait est important. Que ce que l'on est important. C'est d'ailleurs sur cette constatation que se basent les travaux de la psychologue du travail Élise Lecornet. Ben oui, pour moi, plus j'en fais, plus je suis important pour vous. Et généralement, il n'y a pas à chercher bien loin. J'ai un très bon exemple, ma sœur est une addict au temps. L'année dernière, elle m'a fait la surprise, elle a voulu passer quelques jours dans ma belle région du Var. On s'était donné rendez-vous en bord de plage à 10h30 et malheureusement, elle est arrivée avec plus d'une heure de retard. Mais le problème en soi n'est pas vraiment le retard. Le problème est plutôt la raison du retard. Toute personne normalement constituée et sans problème de temps calculera le temps nécessaire pour se rendre de A à B et arriver à l'heure indiquée. Eh bien, les addicts au temps ne calculent pas vraiment de la même façon. Dans l'exemple de ma sœur, en fait, elle a trouvé moyen d'ajouter au planning de sa journée des tâches non essentielles, comme la visite de la ville où elle avait pris son hébergement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que la visite de la ville est venue faire au milieu de notre entrevue? Eh bien, pour elle, il était important, voire vital, de positionner cette visite à ce moment précis, par peur de ne pas pouvoir la faire à un autre moment. De cette façon, elle s'est simplement assurée de ressentir une sensation d'accomplissement et d'avoir mené une journée bien remplie. Mais à ce rythme et à force de courir comme ça, nous ne savons même plus pourquoi nous courons. C'est une quête sans fin vers la satisfaction, et comme ce n'est jamais assez, eh bien, on court toujours plus. D'ailleurs, la psychanalyste Geneviève Abrial compare ces personnes à ça. Plutôt parlant. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, en fait, nous sommes en quête de reconnaissance. D'ailleurs, cette année, 54%, je dis bien 54% des Français se disent avoir été stressés les 6 premiers mois de l'année 2021, selon un sondage de l'IFOP. 54%. Alors, si l'on part du principe où le stress génère des maladies comme les troubles musculo-squelettiques, les maladies cardiovasculaires ou le fameux burn-out, eh bien, cela signifie très simplement que de par notre addiction au temps et du stress qui en découle, nous nous causons nous-mêmes des maladies aux effets relativement indésirables sur la santé, comme la clope et comme l'alcool. Des personnes qui ont encore envie de courir après le temps, là? Non, d'un coup? Non?
Alors oui, je sais, Mathieu, tu es très doué pour faire de la peine aux gens, pas de souci, mais comment on fait pour se sortir de là? Comment on fait pour solutionner tout ça? Eh bien, j'ai envie de vous dire que même cette question apporterait des réponses assez subjectives, puisque la solution est propre à chacun. Néanmoins, il existe quelques méthodes et outils qui peuvent vous permettre de rétablir un petit peu votre rapport au temps. On a par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permet en fait de changer son processus de fonctionnement par rapport au temps qui ne vous convienne plus par un qui soit plus adapté. On a également la kinésiologie, une méthode qui permet d'identifier la source d'un stress lié à cette addiction. Et un outil des plus pratiques et pourtant très simple, c'est la matrice d'Eisenhower. Alors, Dwight David Eisenhower n'était pas que le 34e président des États-Unis. C'était aussi une personne qui était surnommée le champion toute catégorie en matière de productivité. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, cette matrice pourtant très simple permet de gérer son quotidien par ordre d'urgence et d'importance. Mais ça permet aussi de mettre en lumière des tâches non urgentes, non importantes, voire non essentielles, que l'on peut déléguer, voire abandonner. Alors en partant de là, plus besoin de courir. En courant sans cesse après le temps, on cherche une reconnaissance que l'on ne s'apporte pas à soi. Apprenez à vous dire « ça, c'est fait, je suis content, je suis contente, je suis fier de moi ». Tiens, même d'ailleurs, vous savez quoi? On va le faire maintenant. À trois, vous allez simplement dire « je suis fier de moi ». Un, deux et trois. Ben, vous voyez que c'était pas si compliqué. D'après Élise Lecornet, nous sommes dans une société vouée au culte de l'urgence, où le faire détermine l'être. Mais sommes-nous réellement ce que nous faisons? Pour terminer, je voudrais vous inviter à jouer le jeu avec moi à un exercice très simple qui prendra une petite minute de votre précieux temps. Je vous invite, si vous le voulez bien, à fermer les yeux. Et vous voyez cette soirée que vous êtes venu passer. On a parlé de réalité virtuelle et des risques qui en découlent. Vous allez apprendre beaucoup d'autres choses après. Là, vous venez de découvrir un outil qui vous permet d'appréhender votre rapport au temps autrement. Et en rentrant à la maison ce soir, vous assirez dans le canapé et vous laisserez venir à vous une chose que vous êtes en capacité de faire pour vous une minute par jour, voire plus, pour vous permettre la vie, de vivre la vie que vous avez choisie sans subir la pression du temps. Et quand c'est OK pour vous, je vous invite à revenir avec moi. Bon, je ne vous cache pas que je ne verrai pas tout le monde là, ce n'est pas possible. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas ce hamster qui court sans fin. Je ne dépends pas du temps pour vivre, le temps, il est ce que j'en fais. Maintenant, je voudrais simplement remercier ma compagne pour m'avoir grandement inspiré cette conférence et vous pour m'avoir écouté. Merci.